Coucou à tous, si vous voyez ce vlog, ça veut dire que j'ai estimé qu'il était intéressant parce que vous allez voir, je ne vous vlog pas un shoot, je vous vlog deux journées un peu ordinaires. Voilà, je sais pas encore ce que ça va donner à l'heure où je tourne ça parce que c'est les premières images que je tourne et je me dis que ça peut être sympa. Alors quand je tiens un peu ordinaire, je mets des guillemets, bien sûr. Là, je vais aller chez le coiffeur, je suis pas allée depuis très longtemps. Donc je me dis que ça peut être un petit peu sympa de vous emmener avec moi et demain, je vais aller à Clermont-Ferrand. On va faire un peu de la vitrine avec mon chéri. Du coup j'ai hâte et je me suis dit que voilà, vous faire découvrir des petits coins de Clermont-Ferrand ça peut être vachement sympa. Donc je vous embarquerai avec moi. Et bien là je vais devoir réveiller mon homme parce que j'ai l'impression que son réveil n'a pas sonné. Et il va être en retard au travail et il attaque à la même heure que moi j'ai chez le coiffeur. Et c'est au même endroit, c'est parfait. Tadam. Et c'est parti. Hop. Coucou. La voiture est givrée, ça va prendre 150 ans à dégivrer. On aime. Coucou, je viens d'arriver du coup au salon de coiffure. On a déjà regardé les couleurs pour mes cheveux. J'ai hâte que ça commence. C'est vrai que tu m'as fait des Victor Hugo, c'est drôle. Yep, c'est le tampon. J'ai dû accrocher mon téléphone, sortir de la voiture, puis re-rentrer de la voiture pour faire ce plan. La réponse est bien évidemment oui. Donc je rentre chez moi. Ça y est, j'ai fait des petites courses. Bon, déjà pour l'appart, mais j'ai été laisser mon chéri parce que c'est un peu lourd. Il ramènera ça ce soir. Il m'a acheté des sushis. J'ai mangé là-bas, donc je suis contente. Les sushis toute ma vie. Et j'ai fait des petits trucs. Je vous montre vite fait ici des petits chouchous trop mignons. Un truc, c'est vraiment ma vie entière. Ce régime a. Ceci, c'est les chaussons chaussettes anti-dérapant, j'adore totalement ça, c'est toute ma vie, je vais les mettre en rentrant bien sûr. Et un serre-tête parce que j'adore les serre-têtes mais j'en mets jamais, enfin non, j'adore les serre-têtes mais j'en ai pas, c'est surtout ça le problème. D'ailleurs je vais le mettre tout de suite mais j'ai pas de ciseaux, ah, est-ce que ça va me péter dans les doigts? C'est bon, qualité, est-ce que c'est pas trop mignon? On voit pas très bien mais moi je vous dis c'est trop mignon. Et ça à Sephora, j'avais plus de fixateur, du coup j'ai pris ça et apparemment elle est ultra mate, elle est nouvelle. Vous voyez marqué ultra mate, c'est l'une des nouvelles et du coup pour les shoots ça va être très bien de pas briller, de pas avoir du fond de teint, de la poudre à mettre à chaque fois qu'on fait une pause dans un shoot. Et là je vais rentrer chez moi. De toute façon je pense qu'on va surtout se retrouver demain. Bon je pense que je vais filmer 2-3 trucs et on va se retrouver demain. On est d'accord que l'hiver, mettre le masque, c'est la meilleure chose qui soit. Protège le nez, c'est tout chaud. Regardez-moi ça. Elle sait que quand je rentre, je m'assois sur le canapé, alors elle se met dessus. Elle attend pour venir. Allez hop. Bon. C'est quand ton chat prend l'habitude de ça que tu te dis que t'as quand même toi aussi des habitudes de t'asseoir tout le temps quand tu rentres. Et c'est parti pour les mamours. Là il est 2h17 du matin, je vous reprends que tout de suite parce que je vais aller me coucher. Alors oui j'ai beaucoup de mal à dormir en ce moment, donc 2h17 finalement c'est même pas si tard pour moi. Coucou, on est mardi, il est 12h24 et on va partir amener le PC de Vincent pour qu'il ne soit pas réparé. Et après on part pour Clermont-Ferrand et j'aime trop ma tenue, je suis contente de moi donc la joie. Et là on part à Rion, amener le PC de monsieur. Peux-tu te présenter à la caméra? Les gens te connaissent vite fait mais finalement pas tant que ça. Vincent Desna.
Oh, watashi wa portugais des. Watashi wa truel des. Truel sensei. Truel là, ça va. Et tu fais quoi dans ta vie? Je vends des trucs. Tu vends des V-Bucks en gros? Je vends plein de trucs, notamment beaucoup de V-Bucks. Et beaucoup de pop. Et t'aimes quoi dans la vie? Le fromage. Selon vous, est-ce que le gras c'est la vie? Bah oui, j'en suis rempli. De vie. Vroom vroom la voiture. Excusez-moi, monsieur. Non, je suis indisponible. Que transportez-vous? Je suis indisponible. C'est pour la télévision française. Je suis indisponible, je le dis. Monsieur, vous êtes beau. Il est coincé, il veut rentrer dans la voiture. Et comme il y a des voitures, il peut pas. C'est un peu pratique, hein. Bravo, monsieur. Eh bien, on vient de récupérer le PC de monsieur et bah là, on part direction Clermont. Et j'espère pouvoir vous montrer plein de petites boutiques. Il est plus tard que prévu, on aurait voulu y être beaucoup plus tôt. Bah, on est arrivé à Jaude et du coup, bon, on va faire un petit peu de boutique. Puis après, on va aller voir les boutiques là et on vous emmène avec nous. C'est ce que je disais dans la vidéo en fait, on nous emmène. Tu sais que j'avance, mais sans savoir où je vais, par contre. On va aller où? Bonjour, de toute façon, on va voir ça. Un autre billet, je te manger. Celui-ci, et c'est lequel, tiens? Celui qui est planqué là-bas, lui, là. Voilà, lui, il est tout seul, là, je le prends. Et aussi, là, non, c'est ça. À gauche. Non, c'est celui-là, là. Bah, c'est là, les verts. C'est chocolat. Ah oui, non, tu prends pistache, pas chocolat, ouais. Donc c'est celui-là. Je pars. D'hiver. Voilà, ça c'était pour une blague. Hein. Dommage que c'est pas moi qui fais le montage. Je crois vraiment que ça va pas rester. Tu me connais mal au petit. Laissez-moi vous parler 2 minutes de ce magasin. Vous connaissez peut-être pas Picture, mais c'est une entreprise locale puydômoise et qui est vraiment super chouette parce que tout ce qu'ils produisent est fait à partir de matériaux recyclés. Ils essayent au maximum de faire en sorte que leur marque ait aucun impact sur la planète. Donc que ce soit de l'emballage par exemple quand ils expédient, quand ils reçoivent les matières, etc. Voilà, c'est une entreprise vraiment tournée vers le zéro déchet qui produit ce genre de vêtements, voilà, c'est assez à la mode chez nous. Je sais pas si chez vous aussi c'est le cas. Je sais même pas du tout si vous connaissez ce magasin ailleurs, mais vraiment si c'est votre style de vêtements, je vous invite à foncer, voir ce qu'ils proposent. Les prix sont un peu élevés, mais bon, quand on voit tout ce qu'ils font du coup pour la planète à côté, c'est totalement logique. Eh bien, on va aller dans un endroit que j'adore, je vous ai déjà montré vite fait. Devine, t'as deviné ou pas? Je pense, oui. Oh. Foudre fou. Évidemment,
au boudoir Foufou, vous savez à quel point j'adore cette boutique. Christine, la tenancière, est la première personne à m'avoir fait confiance dans le milieu du rétro et j'en suis infiniment reconnaissante. Et aujourd'hui, elle était assez peinée parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Brexit est une réalité aujourd'hui. Et du coup, tant qu'il n'y a pas d'accords commerciaux, les taxes entre la France et l'Angleterre vont être juste énormes. Et vous savez probablement, si vous aimez les vêtements rétro, que la plupart des marques, je me répète, mais rétro, viennent d'Angleterre et du coup ça augmente très très fort les prix à cause de la douane et du coup c'est très 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 compliqué pour toutes les boutiques rétro, toutes les personnes qui aiment les fringues de ce genre là. Bah du coup vous êtes au courant et si vous avez une boutique pas loin de chez vous, n'hésitez pas à aller la soutenir comme vous pouvez parce que là ils vont être dans... ça va être très 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 compliqué pour eux malheureusement et je vous souhaite un bon courage à toutes les personnes qui tiennent des boutiques du genre, force à vous. Incroyable tenancière de la boutique. Alors la tenancière, pas trop. Ils ont la plus vieille pin-up de France. Ça se voit pas trop. Et... est-ce qu'il y a du vent? Ça va? Non, ça va, c'est moi, j'ai pété. Ah pardon, excusez-moi monsieur. Du coup on va à Penheim, c'est ça? Oui. Bah c'est là, ça tombe bien. Monsieur, vous envolez? Trop de vent. Il y a un vent de malade. Débile. Et on a une tempête et toi t'as un petit... Bah du coup on va rentrer chez nous et je sais pas si c'est ce soir ou un peu plus tard. On va vous montrer nos... Non, nos achats. Nos... nos cadeaux, nos achats, nos emplettes, nos lustucrètes. Nos lustucrètes. Oui. C'était vraiment une nouille. Non, je suis pas une nouille. T'es une pâte. Et ouais, le vent était atroce. Je suis pas sûr que t'aimes ça. Fais voir. Citron vermante. T'aimes le mojito? Ouais, je trouve ça une odeur mojito. Bah c'est goût mojito. Oh, je le fais pour elle, elle est pas capable de roter. Putain oui, alors l'anecdote incroyable. J'étais en train de vendre comme d'habitude des jeux et des clients anglais rentrent en boutique. Donc moi j'essaye de parler anglais et alors comme d'habitude j'arrive à parler anglais plus ou moins mais jamais avec l'accent. Toujours en faisant un accent nul. Pour une fois j'essaye de faire l'accent. Mais alors je dis bien j'essaye. Hein, voilà. Et du coup je leur demande, vu qu'ils voulaient faire la carte de fidélité, où est-ce qu'ils habitent. Et ils me disent du coup Clermont-Ferrand avec l'accent. Et du coup moi je fais Clermont-Ferrand alors que j'aurais pu dire Clermont-Ferrand, y'a pas de problème, je sais le dire moi le français. Et ben voilà. Et du coup mon collègue même le client en face, moi j'arrête, je fais mais pourquoi j'ai fait ça avec l'accent nul. C'était drôle, on a ri. Et depuis c'est resté, le Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand. Faudrait qu'on fasse une vidéo où on raconte des anecdotes drôles et que tu racontes les tiennes parce que t'en as plein. Enfin, on en a plein ensemble. Oh, le coup de la voiture, faut qu'on la raconte. Ça vous dit des anecdotes? Dites-le en commentaire. Là, je pose bleu. Ah, ouais, bon, il s'ouvre comme ça, ok. C'est sur le thème spooky. Pardon? Une très très bonne carte dès le début. Non, c'est juste une très bonne carte. Vincent, c'est l'heure de... manger. Oui. Les burgers, Uber Eats, les nouilles, la pizza. Oui. Montre les frites, la tête frette. Frites, elles ont l'air incroyables. Moi. Et ça, c'est mes petites pâtes. Et mon petit pain. On s'est installé, on a bien mangé. Oui, on revient des emplettes. On a fait du shopping entre filles. Sacrément barbu pour une fille. Mais du coup c'était bien. Et puis des cartes magiques quoi. C'est un achat. Après on s'est bien amusé, on s'est pris une tempête. Ouais, c'était effroyable. On a littéralement volé jusqu'à la voiture qui est dans le parking souterrain. Genre, on était là, on a pris l'air, on s'est envolé et on arrivait sous terre. On n'a pas compris. Vous avez déjà joué à Zelda? On a pris une boule. Ouais, c'est ça, on a pris une boule, on s'est envolé. Bon, sinon, on a fait des achats. Montre tes robes. C'est lui qui me les a achetées. Dites merci à cet homme merveilleusement beau. Je suis vraiment très heureux dans mon couple. Alors, c'est la marque Shein. Alors, pas Shein, mais Shein avec deux E. C'est la première fois que j'ai quelque chose de cette marque d'ailleurs. Et elle est trop bien. Elle est super jolie. Elle vient avec une petite teinture qui est ici. Elle est assez épaisse. Les motifs sont simples et efficaces. C'est un achat. J'ai dit du shopping entre filles, c'était pas pour rien. Oui, 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 ouais, je me doute. L'assistante. Je veux toujours faire des photos avec elle, mais elle veut jamais. Ah ah.
C'est dangereux de jouer avec un chat sous un plaid parce que bon, ça mord. C'est doux et ça fait flouch flouch. Regardez comme c'est fluide. Ça fait flouch flouch. C'est un achat. Et il manque quelque chose, regarde-moi. Ah oui! Sur sa tête! C'est un achat. J'ai oublié et je crois que. Je sais pas si on va voir, mais il est un peu en. En espèce de tissu. De peignoir. Ouais, non, mais ouais, clairement, c'est ça, un espèce de tissu peignoir. Mais c'est trop cute. J'espère que la présence de cet homme dans ma vidéo vous a plu. J'aimerais qu'on fasse d'autres vidéos ensemble, mais il a pas envie. On verra. Enfin, il a. C'est négociable. Je pense que si vous commentez et faites plus de vidéos avec Lady Pumpkin, Monsieur Barbu. Un million de commentaires, on est bon, hein. Oh, wait. À 40 pouces bleus, on met un gros échelle, mais j'ai jamais eu 40 pouces bleus. Il promet, peut-être. Je promets peut-être, je fais un truc. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous, ça nous a bien fait marrer. Que ces deux jours avec moi plus lui vous aura plu. Il y a plus de batterie sur le téléphone, il vient de se couper, donc j'espère que ça sera quand même de bonne qualité. Faut pas oublier, hein, faut liker, faut liker, commenter. Faut... Le référencement, c'est oui, important. Et surtout si ça vous a plu, du coup, ça nous fait plaisir aussi. Sur ce, on vous laisse et on vous fait de gros bisous. Salut! C'est un achat.